Eh bien, salut tout le monde, c'est Westlake09 et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième piège sur Minecraft, un deuxième piège à noob sur Minecraft. Donc il y a encore les débris de l'ancien piège si vous avez regardé le piège à noob labyrinthe. Bref, on va faire un nouveau piège, enfin un nouveau. C'est assez récent. Hop, alors on met une TNT. Un bloc d'ailleurs, hein, pour pas qu'il s'en aperçoive. Ensuite, une plaque de pression. 4 portes en fer, surtout. Parce que. Après, il peut la casser. Facilement. Enfin, le temps quand même que la TNT explose, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais bon, je préfère prendre des portes en fer. Au cas où. Puis au moins, il peut pas faire clic droit dessus. Hop, voilà. Ensuite, on rajoute un bloc au-dessus. Donc, on va mettre ça. Ok. Et ensuite, voilà. Donc, voilà, vous voyez, hein, ça se présente comme ça. Ok, donc là, vous allez voir. Dès que je me mets dessus, regardez bien. Toc, je suis enfermé. Et il y a le bloc de bouse qui m'empêche de sauter. Et boum. Et voilà. Par contre, je lag un petit peu. C'est assez chiant. Ah, bah tiens, j'ai croisé un autre trou. Je le reboucherai plus tard parce que là, j'ai que 4 FPS. Si vous avez vu. Oh là là, et c'est chiant là, la pluie. Donc, vidéo setting, on va enlever la brightness, hein. Peut-être que ça va faire un petit peu plus de FPS. Bah tiens, qu'est-ce que je disais, 7 FPS, 8 FPS. Mais bon, ça m'a fait 3 FPS en plus, c'est pas énorme. Bref, voilà, hein. Y a toujours la pluie. Et voilà. Oui, donc je vous présente, hein, hop, mon champ de canne à sucre. Mon piège à noob est toujours là, mais je préfère pas mettre de TNT parce qu'il est juste à côté de ma maison. C'est pour ça que j'ai pas mis de TNT. Et ma lumière. Ok. Et mon nouveau truc. Enfin, mon nouveau truc. J'ai agrandi un peu ma maison, enfin ma chambre. Et j'ai mis des cochons d'ailleurs, ils sont tous grands. Je vais les accoupler. Ok, 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 et ok. Et voilà. Et ensuite, bah voilà. On va aller se coucher. Hop, et voilà. Bon bah, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez j'aime et partagez-la. Et faites du bouche à oreille. Etc. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de me demander des tutos Redstone. Salut les gens!